Salut, JC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous voyez là, ça tabasse. Gros 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 soleil. Donc je vais faire un petit essai pour voir. Et après je vous ferai une autre vidéo comment courir plein cagnard en fait. Donc mon essai c'est. Aujourd'hui je vais essayer, j'ai une sortie de 4 heures. Plein cagnard. Bon, j'ai un peu triché puisqu'il est aux alentours de 4 heures. Donc ça sera pas cagnard cagnard, mais ça sera bien suffisant. Et je vous en dire plus sur l'évolution de la situation au fur et à mesure des heures de course. A tout de suite. Alors, au premier point, j'ai misé un peu sur la protection. Je me suis mis un petit t-shirt blanc en espérant que ça chauffe moins qu'un t-shirt noir. J'ai mis une casquette aussi parce que ça, c'est impératif. Je pense que sans casquette, je suis mort. On est à la limite du vital en fait avec ça, je pense. Et bien sûr de l'eau, voilà, j'en ai plein là, j'ai ici de l'eau citronnée, j'ai de l'eau dans le sac. Voilà. Et pour le parcours, comme je suis parti pour 20 bornes à peu près, je vais marcher dans les montées et trottiner voilà, dans tout le reste du temps. Alors je vais adopter un style de course un peu particulier entre la marche et la course à pied. En gros c'est une marche avec appui médio-pied, un peu trottiné quoi. J'appelle ça un peu comme en mode chasse. Comme si j'étais un chasseur qui trottinait après une proie. Donc voilà, ça va être ma stratégie. Protection. Et donc au travers de t-shirt blanc et casquette et eau. Et économie avec montée en marchant. Et petit trot là sur les plats, mais très très doucement. J'ai essayé de travailler ça notamment pour. Parce que là je m'entraîne pour un ultra en fait. Voilà, à tout de suite. Pour la suite, là je suis au début, c'est facile, on va voir après. À mon avis, on va rigoler. À tout de suite. Yes, donc voilà, ça fait 1 heure. Donc j'ai eu pas mal d'ascensions là. C'était difficile dans la première bosse. J'ai une petite première bosse. Là, je suis dans une longue, longue bosse, on va dire. Et il fait 30, 33, 34 degrés à peu près. Et là, vous voyez, ça tape hein, quand même. Donc l'eau, moi j'avais prévu 500 ml par heure. C'est le minimum, hein, je pense. Et celle-là, elle est un peu citronnée, je suis en train de la finir. Donc l'eau, ça marche bien. La casquette aussi, je suis bien trempé au niveau de la tête. C'est cool, ça maintient un peu la fraîcheur. Et au niveau du corps, ça va. Je me demande si c'est pas bien aussi d'avoir un t-shirt manche longue blanc, coton. Ça, il garderait bien l'humidité. Je sais pas, donc c'est à tester, à voir. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Donc je fais ma petite technique de la course de chasse, là. Donc c'est une... Comme je vous disais, c'est une espèce de marche avec appui médio-pied. Dès que c'est un peu plat, là, je marche courotte comme ça. Donc pour l'instant tout va bien, c'est même plutôt très positif. Donc on va voir d'ici 1 heure. À tout de suite. Ah, ça fait 2 heures là que je cavale. Il fait toujours aussi chaud, mais par contre au niveau du ressenti, j'ai beaucoup moins chaud. Je sais pas pourquoi. C'était peut-être le fait d'être en montée, plein cagnard. Peut-être que la température a baissé ou les nuages. Mais en tout cas, j'ai pas trop de difficultés. Mes protections ont suffi, hein, ma casquette, mon eau et. Et puis voilà, puis la stratégie c'est peut-être que aussi je marche beaucoup. J'essaye de limiter la montée de mon cœur, de rester dans une zone de facilité pour ne pas mettre en état de panique. Donc c'est peut-être ça qui fait que je suis pas en surchauffe. Et peut-être aussi le temps de tout mouiller mon t-shirt parce que là je suis encore trempé. Il y a un petit vent aussi. Donc c'est une journée chaude mais. Ces petits éléments font que ça va, le fait que je sois trempé de transpi, le fait que je fasse attention à mon rythme et que je me sois un minimum équipé. J'ai regretté les lunettes de soleil quand même tout à l'heure. Donc voilà, ça se passe bien. Je vous en dis plus d'ici 1 heure. Hein. Donc là, ça fait 2 heures que je cours. J'ai fait 10 km seulement, mais bon, il y avait pas mal de montées. À tout de suite. Salut, c'est JC. Bon, bah ça y est, ça fait 3 heures. J'ai quand même eu un coup de mou là tout à l'heure. Hein. Bon, il fait plus si chaud que ça, il y a un petit vent et en plus il y a eu quelques nuages. Donc j'ai eu un petit mou. J'ai déjà bu un peu plus d'un litre. Mais au final, mon test tombe un petit peu à l'eau, donc je le referai un peu plus tard avec un cagnard genre 40 degrés. Donc ça me fait une petite préchauffe. Après, je vous referai quand même le point là, au bout de 4 heures quand je vais arriver. Mais est-ce que j'avais noté déjà? Et c'est peut-être déjà le cas pour moi. C'est qu'on s'habitue. En fait, le plus dur souvent, c'est la première sortie plein cagnard, voire la deuxième. Mais après,
C'est comme si on s'habitue, on voit moins vite, on fait attention, je sais pas, on respire mieux. Je pense qu'il y a un petit côté acclimatation aussi qui est à prendre en compte. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas très chaud, même s'il fait encore bien. Vous voyez ça cogne quand même. Je suis mouillé comme je le disais tout à l'heure. Je bois bien, j'ai ma casquette, je regrette les lunettes. Mais sinon, donc voilà, tout se passe bien. Un petit coup de fatigue, mais ça doit être dû à tout ce que j'ai bu avec mes potes hier et avant-hier. A tout de suite. Et voilà, ça se termine. Donc là, 4h15, 21 km, un peu plus. Il m'en reste 3. J'ai tout fait tout doucement, là, en mode paléo run, la course du chasseur. Bon, ça s'est fait, hein. Au final, ça fait une moyenne. Ouais, c'est bon, on est à 5 km/h, mais bon, c'est pépère, quoi. Et pour la chaleur. Au final, ça s'est un peu calmé. Faut dire qu'il est 20h en fait. En partant à 16h, effectivement, il faisait bien chaud. Mais après, j'ai eu vraiment que 2 heures de chaleur intense. Et ça a été en fait habillé comme ça, casquette, beaucoup d'eau. Par contre, l'eau simple, ça s'est pas très bien passé. C'est plutôt l'eau citronnée là qui est bien passée. Et après, il y a les fringales, plein cagnard là, avec la fatigue. Alors, au moins, j'avais des dattes. Les dattes, c'est bien passé. Le chocolat, non. Voilà, donc dattes. Sirop de citron, genre pulco, ça passe nickel. Voilà, et puis après, bien se protéger, un t-shirt blanc, casquette, lunettes que j'ai pas prises, beaucoup d'eau. Moi j'avais pris 2 litres, 5 quasiment, presque tout bu. Et voilà, courir à l'économie avec cette technique là de paléo runner, c'est bien passé. Voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, haha, encore mieux. Si vous voulez un cadeau, écrivez-moi en bas. Il y a l'adresse, je sais plus, ça s'appelle. J'ai écrit en dessous. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et puis, bon ride, profitez. Ciao, ciao, ciao et gardez la pêche.